Salut à tous et bienvenue sur Habibi Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'aspirateur balai Jiaxian V18. Il s'agit d'une marque que je ne connais pas, que je vais découvrir probablement en même temps que vous, quoiqu'il y a pas mal de ventes sur Amazon, et j'avoue que ça a piqué ma curiosité. Allez, voilà le package au complet, avec bien sûr l'aspirateur en lui-même, je vous le détaillerai dans un instant. Le système de fixation murale, ici vous avez une brosse rotative grattante, qui ira se loger à l'intérieur de la tête que vous avez ici, qui contient déjà une brosse fluffy. Vous avez bien sûr prise électrique française et les petits embouts suceurs, ainsi qu'une brosse plutôt dédiée au coffre de voiture literie. À la limite, ils auraient dû ajouter un flexible et éventuellement un filtre à particules fines et allergènes de rechange. Il a une vraie dégaine de pistolet laser et ça, c'est pas une première, mais j'avoue qu'il a quand même un look mine de rien original, puisque j'en ai testé beaucoup des aspirateurs balai et aucun n'avait cette tête-là. Il a une caractéristique que beaucoup d'entre vous vont adorer, la batterie est détachable et remplaçable. Du coup, si jamais à un moment donné elle vient à décliner ou si tout simplement vous voulez accroître la surface d'aspiration, vous pouvez en acheter une supplémentaire. Il a par contre quelque chose de très déroutant en négatif, c'est qu'il n'y a pas de gâchette ici pour déclencher l'aspiration. L'aspiration se déclenche en appuyant sur le bouton juste là. Bon, l'originalité est pas terrible, j'aurais vraiment préféré avoir une gâchette de pistolet classique. La batterie de 2500 mAh vient alimenter un moteur de 350 watts qui développe, alors fonction de la source, soit du 22 000 pascal comme écrit sur Amazon, soit du 20 000 comme écrit sur la boîte de l'aspirateur. J'aurais tendance à parier sur le 20 000. Comme tout aspirateur moderne qui se respecte, il dispose de son écran à cristaux liquides avec la batterie restante et la puissance utilisée que vous pouvez faire varier en 3 niveaux d'intensité. Système de vidange à mettre au-dessus de la corbeille, classique et efficace, mais petit réservoir ici. Alors on dit du 500 ml, mais à mon avis il en reste en disponible plutôt 250-300. Le démontage des différents systèmes de filtration est assez simple. Vous appuyez ici, quoi qu'il faut avoir quand même les doigts assez longs, enfin en même temps vous pouvez utiliser deux mains. Hop, vous allez avoir le petit compartiment là qui peut se retirer, nettoyable à l'eau, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez un filtre à particules fines ici, hop, que vous allez plutôt de préférence nettoyer avec une petite brossette, éventuellement taper sur le rebord d'une fenêtre, comme ça m'arrive de le faire pour le coup. Vous pouvez passer à l'eau, mais il faut bien assurer de le sécher pendant au moins 24 heures avant de le remettre à l'intérieur de l'aspirateur. L'assemblage global a l'air plutôt correct, vous avez pas mal de joints en caoutchouc pour assurer l'étanchéité de l'ensemble. Par contre, on est sur un univers vraiment très plastique, j'ai déjà vu mieux en matière de ressenti à tarification égale. Allez, je vous propose d'étudier maintenant la brosse rotative principale. Ici, on est toujours dans un environnement plastique, comme sur tous les aspirateurs, vous allez me dire. Il y a ici une belle chose, en tout cas que moi j'attends dans la plupart de mes tests, c'est la présence de LED à l'avant qui viennent illuminer les saletés dans les environnements sombres et ça marche vraiment super bien. Moi, je trouve ça très utile. Petite réglette en caoutchouc si jamais vous venez à taper un meuble, c'est toujours bienvenu. Une belle garde au sol à ce niveau-là pour pouvoir manger des saletés assez costauds. La conception globale a l'air assez cohérente avec ce qui se fait sur le marché à l'heure actuelle. Vous avez là la brosse fluffy, bien sûr, on l'étudiera en détail. Vous avez tout un système d'accompagnement du mouvement pour éviter de rayer les parquets, les sols. Ici, vous avez des petites roulettes. Alors, pas forcément caoutchoutées, on a des petits poils dessus, pourquoi pas, c'est original. Et deux grosses roulettes caoutchoutées pour accompagner le mouvement et encore une fois épargner vos parquets. Le système pour nettoyer la brosse rotative est parmi les plus simples que j'ai pu voir jusqu'ici et franchement c'est super, c'est efficace, c'est nickel. Vous l'enlevez comme ça, vous la remettez ensuite, hop, je vais vous le faire face caméra. Du premier coup, ça marche. Et dernière chose, dernière idée très intelligente que je viens de remarquer, en tout cas si elle se concrétise, c'est très intelligent. Vous avez ici la petite barre sur le devant qui se rabat vers le sol et qui va maximiser la puissance de succion ici. Ça, normalement, sur les tapis, ça devrait pas mal aider. J'ai hâte de voir comment ça marche. Allez, bienvenue dans l'instant presque illégal de la vidéo puisque mon V18 va devoir sniffer un rail de sucre. Je vais le mettre en puissance minimale au début. En puissance minimale, vous allez avoir une autonomie de 45 minutes. C'est correct, sans plus. Vous avez un mode auto qui me rend très curieux. Normalement, un mode auto, ça veut dire qu'il est en mesure de détecter le type de revêtement sur lequel il passe et donc d'accroître sa puissance d'aspiration sur un tapis. On verra ce que ça donne. Et là, je vais le mettre en puissance max. Pardon, je l'ai éteint. Hop. Ça commence à bien chanter. Alors, ça fait du bruit, c'est clair. Et là, vous aurez 15 minutes d'autonomie. Allez, bienvenue pour ce premier test en conditions difficiles. Je vais demander à l'aspirateur en mode brosse fluffy de me ramasser tout ce qu'il y a ici à terre en un seul passage. Ça va pas être simple. Alors, il y a du riz, il y a du sel, il y a du sucre, il y a du plastique, il y a des mignons petits moutons. Enfin bref, il y a pas mal de trucs. Et comme d'habitude, une grosse contrainte, ça va s'effectuer en puissance minimale. Hop. Alors, il est censé tout ramasser, normalement, à 99%.
Eh ben, on est forcé de constater que ça a très bien marché. Il a tout ramassé, toutes les particules, on va dire, visibles à l'œil, si ce n'est une légère traînée blanche sur le sol, alors qui relève de la particule extrêmement fine pour le coup. Est-ce qu'il était censé la déloger? J'en sais rien, difficile à dire. En tout cas, tout ce qui est morceaux de quoi que ce soit, y compris le sel, le sucre, les trucs très fins, il les a avalés en un seul passage, très bien. Alors je dis très bien parce que je suis gentil, mais c'est une condition presque minimum que d'arriver à passer ce test pour une brosse fluffy. Effectivement, il s'en est très bien sorti. Ça me sert surtout à vous dire que vous n'avez pas besoin, si vous avez des parquets, des sols durs, du carrelage, etc., d'investir dans un Dyson à 600€. Vous avez des aspirateurs qui aujourd'hui font très largement l'affaire, quasiment tous. Tous, alors entre guillemets, en tout cas parmi ceux que j'ai testés sur ma chaîne, sont en mesure d'aspirer les saletés sur sol dur, alors qu'ils coûtent voilà, 250 à 300 euros. Bon, et comme il a brillamment réussi mon test précédent, je lui ai préparé du beaucoup plus costaud. Il va devoir ramasser 100 g de saleté disposée sur un tapis. C'est donc un test qui va être effectué en puissance maximale avec la petite réglette hop, positionnée en mode tapis. Et on sent qu'il y a déjà de la friction. Bon, le résultat n'est malheureusement pas merveilleux, il a laissé énormément de particules fines, comme par exemple le sel et le sucre, il y en a quand même beaucoup. Il a laissé voilà, des grains, par exemple de riz. Alors il a pris quand même une majorité, je pense. Mais bon, c'est clair que j'ai déjà vu beaucoup mieux à tarification égale. Ça va être très difficile pour lui de concurrencer certaines marques comme Jimmy, Dreamy ou Roigmi dans ses eaux de prix. Alors l'homme positif vous dirait, il en a ramassé les deux tiers, mais ça reste quand même insuffisant. Encore une fois, par rapport à la concurrence aujourd'hui, qui à ce genre de tarif est en mesure de ramasser à peu près 90 grammes sur 100 demandés, lui en est à 66-67 maximum, ça fait léger. Allez, comme je sais que d'expérience, parfois les brosses fluffy sont plus efficaces que les brosses grattantes, je vais refaire le test avec la fluffy, on va voir ce que ça donne. Alors oui, je vous confirme, on sent tout de suite qu'elle est plus efficace. La brosse grattante, comparée à la fluffy, ne sert presque à rien. Le résultat à vue d'œil, absolument rien à voir avec la brosse grattante. On a un tapis qui, à hauteur d'homme, est quasiment nickel, en tout cas apparaît nickel. Il ne l'est pas, bien sûr, qu'on se penche réellement dessus, mais il y a infiniment moins de grains de sel et de sucre qu'il n'y en avait avant. J'ai 2-3 grains de riz qui ont sauté par-ci par-là au moment du nettoyage. Rien de bien grave, rien de bien symptomatique. Il a fait du plutôt bon boulot. Un a priori confirmé par les résultats sur la balance. 95 grammes de saleté ramassée sur les 100 demandés. Ça y est, on est dans les résultats d'un aspirateur normal à tarification concurrente. Donc pour le coup, là, il s'en sort bien. On va juste conclure que la brosse grattante, elle, ne sert franchement pas à grand-chose par comparaison avec la brosse fluffy. Allez, on va se faire un petit test en mode aspirateur à main avec la brosse grattante que vous avez ici qui pourrait très bien servir pour des tapis de voiture avec un petit système qui permet de réorienter ici l'aspirateur. C'est bien vu, bien planché, tout à fait classique, une petite roulette pour accompagner le mouvement. Allez, c'est parti, je vais le laisser en mode automatique. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà, il a l'air de pas mal fonctionner. Il retire à peu près tout en un seul passage. Donc, c'est pas très difficile, hein. Là, c'est pas très accroché comme saleté. Donc, ça va, il s'en sort bien. Ah, là, il a diminué sa puissance d'aspiration. C'est marrant. On croirait presque qu'il a détecté qu'il y avait plus. Ah, et là, quand ça a accroché sur l'étiquette, il a accru sa puissance d'aspiration. Il a bien un mode variable, effectivement. Ah, c'est cool. Allez, dans ce test-là, on va voir à quelle distance des bordures des plaintes il est en mesure d'aspirer. On va commencer en puissance minimale. Ah bah écoutez, même en puissance minimale, il arrive à tout ramasser directement. Bon bah nickel. Je vous montre le résultat rapidement. Il y a 2-3 grains qui restent par-ci, par-là. Encore une fois, rien d'illogique. Et ça, c'est grâce à la succion maximisée par le fait de pouvoir abaisser la petite réglette ici vers le bas. Toute la puissance est concentrée. Ça lui permet d'aller nettoyer les bordures et c'est pas tous les aspirateurs balais qui y parviennent. Eh bien écoutez, j'aurais pas forcément parié énormément dessus en début de test parce que il ne se différencie pas énormément de la concurrence, il a pas une grosse puissance d'aspiration, il a pas une grosse batterie, mais au final il s'en est quand même globalement plutôt bien sorti. J'ai réussi presque tous mes tests, que ce soit le test d'aspiration sur sol dur, le test sur tapis, mis à part sa brosse rotative grattante, qui effectivement est totalement inefficace, totalement inutile pour le coup, en tout cas j'en vois pas l'utilité là comme ça. Il a très bien réussi lorsque j'ai mis la brosse fluffy avec des résultats tout à fait à la hauteur de ce que fait la concurrence aujourd'hui. Et en plus, il a réussi à aspirer le bord des plaintes.
Contre lui, on a une conception très plastique. Alors, c'est le cas de tous les aspirateurs balai, mais là, ça se sent. Voilà, il y a différents niveaux de qualité de plastique. Vous avez la batterie, l'autonomie, qui est seulement de 45 minutes, où la plupart atteignent une heure aujourd'hui dans ce même segment de concurrence. Et puis, l'absence de gâchette. Alors là, c'est carrément étonnant. Pourquoi avoir mis cette espèce de bouton ici, au lieu de mettre tout simplement une gâchette qui aurait été beaucoup plus efficace? Lorsqu'il est à l'arrêt, il a aussi tendance à recracher un petit peu de saleté lorsqu'il est mis en position verticale comme ça. Par contre, il a pour lui d'avoir l'écran à l'arrière, d'avoir un tarif assez concurrentiel, d'avoir la garantie retour Amazon. Un équipement plutôt complet, une certaine légèreté aussi par rapport à la concurrence, 2,6 kg, ça reste quand même très modéré. Et puis un style original, voilà ses qualités et ses défauts. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous l'avez déjà acheté ou si vous l'envisagez, pensez à liker cette vidéo. Je vous ai mis le lien pour voir son prix directement dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tests, qu'il s'agisse d'aspirateurs balai ou de plein d'autres produits différents. Et je vous dis à très vite sur AviExpress. Salut!